Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vu que je suis en train de me faire chier et qu'il n'y a personne chez moi, je cherchais tout, je me suis dit, mais Sacha, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, voilà, nouvelle idée. Je vais essayer de faire le Rubik's Cube sous l'eau. Donc pour ça, il vous faut un Rubik's Cube et de l'eau. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une piscine. Donc il faut que j'arrive à mettre la caméra, à la bloquer dans l'eau. Donc ça, je galère un peu. On va voir comment je vais m'y prendre. Mais voilà, ça va être sympa. Il y a un petit peu de vent. On entend les cigales. On entend la musique. Tout est beau. C'est parti. Ok, donc c'est bon. Là, je vais mettre la caméra ici, en fait, sous l'eau. Et je vais la poser tout simplement. Et moi, pour pas que je coule, enfin si justement pour que je coule et pas que je revienne à la surface, j'ai pris ce gros parpaing. Donc je crois que je vais essayer de pas trouer le liner parce que sinon bah ça va, je vais me faire frapper. Donc voilà, je vais essayer de faire attention. J'espère que je vais pas faire des bêtises. Attention, immersion. J'ai raté le premier essai parce qu'en fait j'ai essayé sans le parpaing et du coup faut que j'enlève l'air de mes poumons pour rester sous l'eau. Et le problème du coup bah, c'est que je tiens moins longtemps. Du coup là je vais réessayer avec le parpaing et après avec un peu d'entraînement je pense que je pourrais réussir sans le parpaing. Ok, bon, je viens de réussir le Rubik's Cube. J'ai galéré, je pensais vraiment que j'allais réussir à le faire beaucoup plus vite. Mais je me suis loupé plein de fois. En plus, je suis un peu con parce que je veux essayer de le faire sans les lunettes. Parce que c'est plus stylé, mais du coup, on voit rien du tout. Mais voilà, j'ai réussi. Donc là, je vais essayer de le faire sans parpaing. Je vais filmer en format portrait. Ok, bah du coup c'est bon, j'ai cadré en mode portrait. Au moins on peut vraiment voir tout parce que c'était, j'ai regardé les vidéos et c'était nul en fait. C'était mal cadré. Du coup là j'ai réussi à faire sans me servir du parpaing. Donc je suis content, j'ai dû le faire en à peu près une minute je pense, un truc comme ça, le Rubik's Cube. Et voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc c'est super cool, je suis trop content.